Les amis, je suis aussi comme ça. Si vous me voyez, c'est pas moi. Tu vois, c'est moi, mais c'est pas moi. Je suis désolée, hein, mais j'ai pas envie de changer mes façons de faire. Je suis toujours sortie de chez moi comme ça. Je vois pourquoi ça changerait. Regardez comment il fait beau. Il fait froid, mais derrière ça, sous ça, j'ai tellement de couches. Je vais pas trop filmer là parce que vous êtes trop maco et macrel. Et j'ai même pas honte. Vous savez les amis, vous avez dit que j'avais donné plein de vêtements. Je crois que j'ai trop donné parce que j'ai plus rien à mettre. Non, je rigole. Mais je vais faire du shopping parce que ce soir, je vais dîner avec une copine que j'ai pas vue depuis longtemps. Et je vais faire la fête. Vous savez que je suis pas allée en boîte depuis Love Island. Attendez. Ouais. Depuis Love Island. Alors qu'avant, j'y allais tout le temps. Alors, je dis pas que j'étais une meuf de la night. Hein. Mais j'aimais bien avec mes copines de temps en temps. Je pense que ça va me faire du bien. Et voilà. Du coup, je vais m'acheter une tenue. Une vraie tenue. Et puis, j'aimerais bien, peut-être mercredi, je vais filmer un vlog. Parce que depuis que j'ai acheté la caméra, je ne l'ai pas utilisée. 24 heures avec moi. Parce que mercredi, j'ai plein de trucs à faire, dont un shooting. Et voilà. Et je vais créer ma propre chaîne YouTube. Et je vais commencer à mettre plein de vidéos YouTube dessus. J'ai trop hâte. Mais en fait, je ne voulais pas au début le faire. Parce que, vous savez, je me dis, mais wesh, ça intéresse qui ? Alors qu'en vrai, ça intéresse des gens. Et c'est comme ça que les youtubeurs, ils font des vidéos. Mais en fait, moi, je me sentais pas légitime de le faire. Parce que je me dis, mais ouais, Cindy, tu vas parler à qui? T'intéresses pas autant de monde. Enfin, ma belle, mon Alexandre. Et en fait, bah non, c'est grave cool. Donc, j'ai trop hâte. Et aussi, les amis, je suis trop contente d'une chose. Vous savez, bon, bah, Edgar est venu à Paris. Et j'ai pas fait la meuf. Je l'ai amené dans les vrais endroits, là où j'allais vraiment. Et je l'ai amené chez Bonnie. Et ben, Bonnie, c'est l'un de mes restaurants préférés. Et Edgar, il a kiffé. J'étais choquée parce qu'il y avait de la musique, il y avait des gens. Vous savez, les gens. La nourriture, elle était quand même chère. Edgar, il est très simple. Et moi, je dis, chouchou, voilà, c'est ça, c'est j'aime. Et franchement, il y avait une vue incroyable. Il était trop content. Et ça m'a fait aussi plaisir. Je l'aime aussi ce côté de moi. Et j'ai hâte d'aller en Martinique. C'est pour très, très bientôt. Ma mère, elle sera trop contente. Ma famille sera trop contente. Et j'ai hâte de voir ma communauté aussi que j'ai là-bas, chez moi. Parce que vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. C'est juste que, les gars, j'ai des objectifs. Et quand je vais en Martinique, bah, je dépense tout mon argent. Je fais des soirées bateau. Je paye des restos à toute la famille, tous les amis. Et c'est pas du tout ma priorité maintenant. Et c'est parce que quand je vais y aller là, je veux brûler la Martinique. Donc, voilà. Bon, c'est bon! Les amis, je sors du médecin. J'ai fait un bilan. Fer, diabète, cholestérol, tout. J'ai même fait un frottis pour le col de l'utérus parce que ça n'atteint pas que les autres. Et je conseille à tout le monde de le faire. Mmh.